Bonsoir à tous, ça dépend de où vous en êtes. On est reparti donc sur Blasphemous 2, enfin on est reparti. On est reparti après le premier, mais bon, voilà. Et bonsoir à tout le monde, oui, effectivement. Donc, on démarre l'aventure, un nouveau pèlerinage sur Blasphemous. Et donc, c'est parti, on va sûrement avoir une petite scène d'intro, j'imagine. Donc, on est sur Switch, pour ceux qui se posent la question. Donc, on va voir un petit peu. Donc, on a laissé les voix espagnoles. Ils sont là dès l'arrivée des One. Donc, ça, c'est cool. J'imagine qu'il va y avoir une petite scène cinématique. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio, en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Oh putain, j'avais pas mis le son. Voilà, on est revenu. J'avais pas mis le son de mon micro. Écoutez, je vais baisser un petit peu le son du jeu. Ah oui, j'avais mute. J'avais mute, bien sûr, pour la cinématique. Allez, on est parti, donc. J'avais même pas vu qu'on était revenu. Hop, c'est parti, donc, les flasques de Bill. Bon, on va laisser quand même appuyer sur X pour consommer l'une de vos flasques. Ah, c'est X. C'était pas LB sur le premier. Il me semble que c'était... enfin, le bouton L. Il me semble. Une de vos flasques de bile est récupérée de la vitalité. Donc ce sont les potions de soins qu'on pourra remplir au feu de camp, enfin au prix dieu. Donc dans Blasphemous, donc on se déplace. Pour l'instant, on peut rien faire d'autre. Fabuleux. Je le trouve plus net au niveau du pixel art, plus fin que le premier déjà. Premier truc. Il me semble que c'était une gâchette aussi. Ouais, du coup, ça change un petit peu le. Alors il doit y avoir des spécificités au gameplay. Choisissons une arme. C'est ça? Donc en gros, t'as le truc qui bourrine. Le truc rapide double épée qui fait pas de dégâts. Et le truc. Bah, je pense qu'on va prendre ça. Moi. Le truc middle qui m'a l'air. Attendez, on peut mettre. Moi j'aime bien quand il y a les. Si je fais ça. Ah ouais, mais il n'y a plus la barre. Ah ouais, non, je veux la barre. Je veux la barre. Moi, j'aime bien les barres.
peut pas mettre les deux, barre et nombre. On peut pas. Ok. Ok, donc ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des trucs à faire? Ouais, ça, c'est vraiment faiblard. Hein. Ça, c'est vraiment trop faible. J'ai pas fait gaffe les autres si on avait des... Ouais, ça bourrine. Ouais, mais il va repop, lui, que je suis retesté. Ah ouais. Ouais, ça bourrine. Hein. On peut se déplacer avec le... Ah ouais, ça change. Ouais, ça fait guère plus. Hein. Ah, j'ai pas d'attaque chargée, là. Et là, j'ai une attaque chargée ou pas? Pas d'attaque chargée non plus. Ok. Il y a Claude qui a une attaque... Bon, écoutez, on prend quoi? Bah, je pense qu'on va prendre l'attaque équilibrée. Écoutez, on va partir pour un défi... Pour un défi standard, mais de toute façon, je pense que les trois armes, on les aura. C'est une des grandes nouveautés, donc je pense qu'on va pouvoir à un moment trouver les autres armes et partir quand vous retrouverez en présence de ces deux sœurs. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Donc, plus d'épines. Ouais, je pense qu'on retrouvera les deux armes plus tard dans le jeu. À mon avis, on en aura besoin. Ou on pourra alterner comme on veut, parce que de toute façon, il y a des arbres de compétences pour chaque arme et tout, donc. Je m'inquiète pas de ce côté-là. Je pense qu'on va retrouver tout ça. Alors. Déjà, avec les gâchettes, on peut... Ah, on revient là. Ok. On peut dash. Et on n'a rien d'autre pour l'instant. Et on peut faire ça. On a toujours l'attaque vers le bas. Ouais, on a toujours. Ça bouge pas. Et le B pour sauter, merci. Attendez, j'ai vu un truc. Non, pas du tout. Ok, on peut toujours s'accrocher. Ouais, ça bouge pas. Si vous avez fait le 1, vous n'êtes pas perdu. Les contrôles, c'est quasi les mêmes. J'ai fait le 1, il y a quoi? Il y a un mois ou deux, donc... c'est encore tout frais. Ok, on ouvre la porte. On se repose au prix Dieu, ça sauvegarde et ça remet toute la vie. Et je crois que ça remplit les flasques aussi. Je crois que c'est ça. Ah bah oui, ça m'a rempli les flasques. Je sais pas si ça remplit la barre, l'espèce de barre de magie. Ou pas. Allez, comme Blasphemous 1, un petit boss pour commencer le jeu. Blasphemous 1, le premier, c'était pareil. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais, ça va. Toujours easy, ce premier boss. Oh. Il m'a déçu. En même temps, c'est un boss, c'est juste pour que tu te passes au contrôle. On fait quand même un petit peu de la merde. Et ça, vous avez l'habitude. J'ai failli être trop gourmand. Ah, je pensais que ça passerait sur cette attaque. Ça va passer là, nickel. Ça, c'est toujours les exécutions. Je pense que oui, hein, c'est un des grands trucs du jeu quand même. Les exécutions bien trash. Ok. Premier boss vaincu. Oh, c'était juste ça. Ok. Marque du martyr. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Marque, ça sert à quoi? Alors, les stats. Alors, arsenal. Ouais, vous voyez, on va avoir les trois armes au choix. Donc, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on les retrouvera. Ok, il y a toujours les petits chérubins. Mais marque du martyr, c'est ce qui est en bas, mais c'est 0 sur 40. Je comprends pas trop. Ah, mais de toute façon, j'ai pas accès au reste. Ok. On a toujours la map, j'imagine. Ouais, ok, c'est tout bon. Allez, on est parti. Écoutez, on a tué quelqu'un. On a eu 500 gold. Bon, ça, c'est les mêmes interrupteurs que dans le premier. Bon, pour l'instant, on n'est pas perdu. Ah si... oh, ouais, les arrière-plans sont bien plus jolis. Que sur le premier, au moins sur cette zone.
penitente. Uki. Retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes. Vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos eternos. D'accord. Pénitent revenu de la tombe pour marcher parmi les endeuillés, votre réveil est à présent inscrit dans les pages éternelles. Anunciada es mi nombre, y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo lo que santo se considera, para poder dirigirme a vos. On va laisser les dialogues, ils sont trop bien les dialogues en espagnol. La version espagnole est juste trop bien. Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente. El milagro va a dar a luz a un nuevo hijo, en un gran corazón descendido de las nubes, que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre. Ah, on est d'accord, Manu. Ouais, ouais, je suis d'accord. Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento. On empêche la naissance de l'enfant du miracle. Ok. Mas en esta ascendente vía de penitencia, os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas, ahora aguardan vuestra llegada. Ok, donc, on tue l'enfant du miracle avant qu'il arrive à maturité, je crois, enfin, si j'ai bien suivi, ou avant qu'il naisse, je sais pas trop. Mais il y a des pénitents, donc, qui vont nous barrer la route, donc des boss, imagine, des sentinelles qui sont choisies par le miracle. Ok. Mais qui sont-elles ? Orospina. De la hermandad de los bordadores. Benedicta, de la hermandad de la perpetua oración. Odón, de la hermandad de la sal. Lesmes, de la hermandad de la incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo, el primero que fue Eviterno, padre de los penitentes. Penitente, el okay. Milagro ha inculcado tres remordimientos en la conciencia de tres de sus guardianes. Trois gardiens à tuer. Solo et le pénitent suprême. Conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad, permitiéndoos así ascender a su zona superior. Okay. Y finalmente, hasta el gran corazón. Et ensuite le sommet, ce qu'on a vu au tout Buscad début. A los guardianes. Et défonçage de l'enfant. C'est ça? Ah, on nous donne carrément les emplois. Ah, bah, cette fois, le jeu est plus... Ouais, il nous laisse moins dans le flou. Il nous dit, voilà, t'as ça à trouver. Ah ouais, dans le 1, on avait zéro indication. Hein. Ok. Ah, la map va encore être gigantesque. Ok, ok. Eh ben, écoutez, plein de choses à faire. On aura plus de... Ouais, d'indications. Eh ben, allez. Donc, on est parti. Donc, elle nous dit quoi ? Plein de plus. Ok. Allez, ben on est parti. Un nouveau petit dieu, Rabine des Hautes Pierres. C'est plus linéaire. Bah ça, on va voir. Peut-être que ça nous dit où aller, mais qu'on pourra choisir un petit peu le chemin qu'on veut. Hein. Ruego al alba. Alors à moins que tu l'as fait et que tu sais que c'est plus linéaire. Et l'arme la plus équilibrée de votre arsenal. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Derrière ces lames crantées se cache une arme polyvalente, aussi puissante que rapide, j'imagine. Un pack de sang permettra aux blessures de l'ennemi de soigner les blessures de quiconque manie cette arme. Bon. Le fardeau du péché, ouais mais ça ok. Et la parade, ouais comme d'hab. On va tester le timing de parade. Bon, on l'a raté. Oh. Ah bon. Ah c'est un one-shot pas cette fois. Hein. Dans le premier, ça, c'était one-shot. Ok. Ah non, j'ai même pas fini loin. Oula. Ouais, c'est possible après. Bon. Hein. Ah, attendez, on n'a pas un. Mais tiens, mais si le dash, il passe à travers. Ouais. Ah merde, je pourrais faire une exécution. Ah, c'est Zen. Ah, mais ils ont inversé X et. Ouais, X avant c'était le. Maintenant c'est les potions. Et Zen, mais il me semble que c'était l'inverse. Et du coup, ils ont changé. Ils ont changé. Ok. Ok, ok, bon. Et bah, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas le choix. Hop là. Oh, j'aurais bien aimé réexécuter. Oh là, il y a un truc ici. On peut toujours mettre des marqueurs sur la map. Ajouter un marqueur.
Ah, tiens, ajoutons-en un. Non, on va pas commencer à ajouter. Ah, là, il y a un petit truc secret. On peut pas passer. Ok, ça sera plus tard. Ah merde! Je voulais ramasser avec X. Palmera. Pétenera, ça. Je sais pas quoi. Prière et ferveur. Ok, donc il y aura des versets et des chants. Ok. On a une barre de ferveur qui permet d'effectuer des prières variées. Mais c'est la barre bleue, ça. Plus vous en équipez de votre inventaire. Ok. Donc équipons-nous. Ah, soit on s'occupe des versets. Alors, je vais équiper en verset. Ah non, c'est. C'est chants, ok. Ah, on aura des versets et des chants, les deux, ok. C'est bien ce qui m'avait semblé au départ, mais je sais. Alors, on va essayer ça. Alors, attendez, ça c'est quoi? C'est en bas et... En bas et... Oh. Ça frise un peu les... Ah oui, mais ça shoot à la longue. Ok, bah allons par là. Attendez, il y a vachement de monde. Ah, mais lui, il se déplace pas. Sans larmes, mais attendez, là il y a des trucs. Ouais, ça va être des plateformes, on pourra rebondir dessus après, ou un truc comme ça. Des trucs que j'arrive jamais à faire. Alors attendez, parce que là. Ouais, c'est fumé ça. Bon, par contre, on perd à fond de la barre de machin de ferveur. Ouais, j'aurais bien aimé faire une exécution là. Oh le pont. Regardez le pont, on peut passer à travers ou quoi? Peut-être qu'au bout d'un moment ça casse. Voilà, il va falloir sûrement une attaque plus forte que ça. Et si je fais ça? Moi je peux pas le faire. Il me manque de la ferveur. Lui il va être chiant. Recule! Et viens au bord! Hein. Un premier chérubin. 1 sur 33, là je maîtrise, bien évidemment. Oh non! Oh, c'est arnaque! J'ai cru qu'il tapait pour cet abruti! C'est pour ça que j'arrêtais pas d'appuyer, j'étais là. Et il va quand même taper. On va avec style. Bon, pour l'instant, ça avance gaiement. Savoir si je peux passer à travers quand il en joue. Je pense que non. Ah si. Oh merde. Il a pas fait sa bouboule. Ça avance tranquille pour l'instant. Bon, c'est le tout début. Hein. Ça va sûrement se gâter après. La ville boulombée. Attends, on peut monter à l'échelle. Pas cool, on peut monter sur les toits et tout. Attendez, comment on faisait là? Ah, je l'ai peut-être pas encore débloqué. On pourrait s'accrocher là sur les murs. Salut Landroche. Bon live. Eh ben, merci. Ouais, ça fait longtemps. Il endroche. Bah c'est vrai que pendant les vacances, j'ai pas été très actif sur les chaînes des autres. Mais là, il y a eu pas mal de jeux. C'est vrai qu'on a été très actif de notre côté. Là, il doit y avoir un truc à faire. Je sais pas quoi. Je peux parler à personne, là? Ouais, il y a de la vie dans le village qu'il n'y avait pas avant. Regardez, on voit des gens aux fenêtres et tout. Je sais pas combien de temps ça se passe par rapport à la quête. J'étais pas non plus notre... Ouais, bah ouais. Il y avait plein de gens en vacances et tout. C'est vrai que... J'ai eu pas mal de chaînes qui sont dans mes... De chaînes que je suis pas régulièrement, mais de temps en temps, qui étaient en vacances, effectivement. Les gens étaient pas là, tata. Le contenu, ça sera en septembre. Ah bah ouais, 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 pour vous, oui. Remarque pour les jeux indés aussi. Ouais, pour tout le monde, en fait. Ouais, c'est vrai que... Qui est cette étrange personne? Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barnices, que es mi humilde taller.
Par mon modeste atelier, un tourbillon de sciure, de colle et de vernis. Montañés es mi nombre. Montañés, maestro, le maître sculpteur. Los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos. D'accord. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra? El doblaje español es justo. El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía la figura de la Santísima. Ok. Penitente. Donc faudra qu'on l'aide à faire ça. Ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Les outils, les burins, les plus fins. Los mejores cinceles. Il veut des pigments, il veut des vernis, ok, il veut plein d'objets. Donc faudra lui amener tout ça. Además, très bien. Soy capaz. Et je pourrais sculpter pour vous des effigies dignes du retable. Que vous portez sur le retable de vuestra espalda. Comme celle que vous offrez ici. Entrego aquí. D'accord. Aceptadme este gesto de gratitud. D'accord. Enfin, on l'accepte. On a reçu le traître, Judas. Es solo la primera pieza de cuantiosas más. Ah, il nous en fera d'autres. Ah, d'accord, si on lui amène des trucs, il va nous sculpter d'autres. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda. Y así sentiréis su favor. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según el recuerdo que me traigáis. Que os guíen como ellas a mí, penitente. Il y a une belle ambiance, hein. Encore une fois, je la trouve. Mais... Alors, rendez-vous à l'atelier du sculpteur chaque fois que vous voudrez équiper des effigies. Ah, ça sera qui ici qu'on équipe? Ça, ça va être chiant. J'espère qu'ils auront facilité les voyages par rapport au premier. Chaque effigie confère de puissants avantages au paysan et peut réagir de manière mystérieuse selon les autres effigies placées à côté dans le retable. Ah, il y en a qui vont combiner en plus. Ah, cool. Vous pourrez augmenter le nombre d'emplacements dans votre table des faveurs en échange de marque du martyr. A priori, ouvrir le retable des faveurs. Très bien. Ok. Il y en a tout plein. Ah, ça a l'air d'être je sais pas quoi. Une petite épée pour l'attaque. Tête de mort, ça doit faire des trucs de ouf. Ça, je sais pas. Ça, c'est ce qu'on a. Augmente les dégâts physiques infligés. Donc, plus 10% pour les 3 armes. Bah, prenons ça. Et j'en ai qu'un, on est d'accord. On est d'accord. Et donc il y en a 4 et... 4 et 9, ça fait 13. 13 et 8, 21. 21 et 6, 27. Ah, il y en a encore 32, 35. Ok, bah il y a de quoi faire. Et on pourra en débloquer jusqu'à 8. Ok. Donner l'outil, mais j'en ai pas. Des mementos, j'en ai pas. Augmenter la capacité du retable. Améliorer la... Mais non, je veux pas augmenter la capacité. De toute façon, j'en ai qu'un. J'ai deux places. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien. Que las manos del milagros. Ok. Cool. Donc, on a ça, ça. Et pour l'instant, rien de plus. Ok. Ouais, dans le premier, un des trucs que je faisais, c'était rassembler les 20 000 pour les voyages rapides. Je sais plus. C'était payant au départ? Ah oui, mais oui, il y avait un truc. Ouais, je sais plus. Mais c'était chiant, ouais. Et puis même, je sais pas, il y avait... Je trouve que ça manquait de points de téléportation. On verra s'il y en a plus, là. Mais je trouvais que ça manquait... Après, si tu pouvais te téléporter, je sais plus quoi, c'était plus simple. Tu pouvais te téléporter direct des... aux hôtels, non? Au prix Dieu. On est rentré là-dedans. Solo hay sombras. Le mouvement ne dissimule que les ombres. Ouais. ¿Dónde están ahora los afligidos? Où est le repentant? Depuis combien de temps la longue? Ouais, ok. Comenzó su larga agonía. D'accord. Que vuestra penitencia de silencio. Danger de la culpabilité. Ah, mais c'est pour la culpabilité. C'est quand on meurt, on a moins de barres bleues, je crois. Retornad. Épée au point de sauveur. Ouais, c'est ça. Vous êtes épée au machin. Au prix du. Donc ouais, on reviendra. Ouais, quand on meurt, on a moins de barres bleues, je crois. Et donc du coup, on peut venir la débloquer, soit en récupérant notre âme là où elle est, là où on est mort, soit on peut venir vers lui, moyennant finance et lui rend toute notre barre bleue. Ok. Pour ouvrir la carte et placer des marqueurs chaque fois. Bah, là, j'ai rien vu de spécialement intéressant, mais. Vous voulez que je mette un marqueur ?
pas très fort. Ah, je vais me faire couiller. Ça repousse. Lui, les cadeaux. Je peux pas y aller. Merde. Oh, le retour de ces statues à la con, hein. Moi, je les déteste. Là, on va le tuer, c'est les trains qui nous fassent chier. Ouh. Là, on la chope. On peut pas passer, là. Et là, on pouvait s'accrocher, je sais plus. Bah, on va pas. C'est peut-être une capa, je sais plus. Il me semble qu'on l'a de base dans le jeu. Dans le premier. Mais peut-être pas, remarque. Peut-être que je me fourvoie. En fait, tu l'as tellement tout le long de l'aventure que. Pour moi, c'est un truc que t'as depuis, mais peut-être pas. Pas trop comment l'a esquivé là. On a réussi à l'esquiver. Ok. Ah, j'ai raté encore l'exécution, c'est tellement pressé. Ok, ouais, ok. C'est ça, exécuter des ennemis étourdis avec ZL. Très bien. Les larmes de... Attendez, vaincre un ennemi de cette manière apportera une ferveur, des larmes d'expiation et des points de martyr bonus. D'accord. Ok. Eh ben, cool. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Non, à droite, c'est de là d'où je viens. Ouais. Il y a un truc au-dessus, mais je peux pas y aller. Bon, allons à gauche. On verra bien ce qu'il y a. C'est des méchants. Il a toute sa life. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de difficultés particulières. Ça, ça va être chiant. Pas le bon jusqu'à l'ennemi. Pas le bon jusqu'à l'ennemi. Ok, comme ça, lui, ça le shoot, c'est très bien. Ok. Là, je peux pas venir. Oh, oh le méchant. Oh, le vilain. Oh, oh, il nous a éclaté. On s'est pris un putain de rocher sur la tête. Ah, il nous a pas raté. Hein. Je sais pas où il était. Mais il nous a pas raté. Mais là... Ah ouais, faut juste que je descende plus vite que les bulles n'arrivent. Oh putain, la vache. J'ai des meilleurs points de vie, hein. Je peux pas le shooter, lui. De toute façon, je peux pas remonter, hein. Donc du coup, je pense qu'on va choper le truc qui permet de s'accrocher au mur. Allons par là d'abord. On aurait pu aller en bas. Ok, bah du coup, on a bien fait. Un petit prieux. Parfait. Une cloche. Un sonon dedans. On va pas avoir ce qu'il faut pour sonner dedans. Ouais, on doit pas avoir ce qu'il faut. Ça, ça encore. Ça doit encore être pour plus tard. Parfait. Hop, 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 et hop. Droite ou gauche? Oh! Oh, j'ai... Le destin a choisi pour moi. Oula. Ah ouais, il tire des éclairs. Hein. Pas sympa du tout. Ouh.
Attaquer et exécuter des ennemis vous permet de gagner des marques du martyr. Vous pouvez utiliser pour améliorer certaines caractéristiques. D'accord. Du pénitent. Vous gagnerez des marques du martyr en combattant et en explorant la carte. Merci. Et donc du coup on a... Alors, ça veut dire qu'on peut améliorer je sais pas quoi. C'est pas là. Bah c'est pas là non plus. Non. Bon, je sais pas. On verra plus tard. Ah, qui est cette personne? ¿Quién sois? Que tanto rostro como nombre ocultáis. Je cacherai no. Du coup, moi. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Ouais, mais qui es-tu, toi? Yerma es el mío. Yerma es el mío. Donc, qui... salut, Yerma. Esta ocasión no es propicia. Pues son presurosos los pasos que c'est mi promesa alienta hein. E inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón. La haine qui m'aveugle par cette haine. De doit partir, séant. Ben, salut. Lance de combat en acier. Ok. Une nouvelle arme? Utiliser des marques du martyr pour acquérir les techniques de combat avancées. Trouver les pénitents porteurs pour débloquer des techniques encore plus puissantes. Ok. Il faut bien explorer la carte. La poigne d'un instrument de culte. Ok, mais... Ben, je suis bien content. Je suis bien content. Sa force réside dans son arsenal de pénitence qui leur permet de les éveiller. Bah ok. Et donc du coup... Ah si, j'ai accès à ça. Alors. Appuyez sur en haut Y, effectuer une ascension écarlate. Et ça, ça coûte 2 points de pénitence. Mais on n'en a qu'un. C'est ça? Comment on sait combien on a de points? Ah. Et tout coûte 2 en fait. Ah non, ça coûte qu'un ou 2? Ou j'ai 2 points? Où j'ai 2 points sévères et du coup je peux... Attendez, j'ai rien compris. Combien j'ai de points? Et là j'en ai qu'un. Pourquoi j'ai 2 points? Je comprends pas. Je comprends pas. Là j'ai qu'un point de pénitent. De marque du martyr là. J'ai qu'un point de martyr, on est d'accord. 1 sur 40 c'est écrit en bas. Si quelqu'un peut m'éclairer si vous avez attaqué le jeu. Parce que ça je comprends pas. Et là, j'ai 2 points de marque du martyr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incompréhensible. Et ça, ça coûte qu'un, du coup. Et ça, ça coûte 2. Appuyez sur... Ah ouais, une extension. Ah, mais attendez, mais c'est trop bien. Mais ça marche qu'au combat ou ça marche tout le temps? Ah ouais, une ascension écarlate ou un cyclone écarlate. Ok. Ça, ça a l'air bien. R et Y avec la jauge pleine pour activer le pack de sang. Renforce tous les impacts... Charger la jauge en infligeant des dégâts avec El Ruego à l'alba. Ok. Déchaîne une entaille dévastatrice qui fera plusieurs fois. Ah ouais, un meilleur contre. Le super counter ou ça. Bon écoutez, on va prendre le... Ça, ça coûte cher, donc on va le prendre. C'est peut-être une connerie, mais c'est pas grave. Ah, ça marche pas hors combat. Ok, bon bah tant pis. Ah mais c'était sûr, putain je l'ai vu trop tard. C'était peut-être fait exprès en fait. Qu'est-ce qu'on a gagné? Les statues sont magnifiques. Le lierre d'ascension. C'est quoi? Ah bah voilà, on peut se grimper avec ZR. Ok. Très bien. Ok. Sphère de plomb rayée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le rosaire. Ok. Donc pareil, ça c'est des capacités passives. Augmente légèrement la résistance à tous les dégâts physiques. Très bien. Hop là, on la met. On est dans l'inventaire. Ouais, on a les perles de rosaire, les objets de quête, les prières. Les... Bah ça y est, on a tout débloqué. Et nos stats. Ok, très bien. J'ai pas compris pourquoi j'avais 2 points de marque du martyr. Bon. Et du coup, maintenant, je peux choper le truc qui était en face ou pas? C'était là. Ouais, c'était là. Moi, j'ai pas ce qu'il faut encore. Sauf si la plateforme, peut-être maintenant, elle est solide, non, ça. Hein. Pas du tout. Donc, du coup, c'est de la merde. C'est de la merde, on repart.
Et par là... Bah non, par là, on n'est jamais venu. Ah, très bien, allons-y. Et ça, ça sera un boss annexe, j'imagine. Dormez, mon enfant, dormez. Ok. Il va falloir venir l'embêter, lui amener des trucs, peut-être. Pas de réponse. Ouais, faudra lui amener sûrement un objet. Et c'est là qu'on pouvait pas remonter. Non, c'est au-dessus. Ah, mais c'est bien. Ah oui, mais attendez, je l'avais sauvegardé. Au cas où. Et je verrai si ça remet la barre de ferveur aussi. Non, ça remplit pas la barre de ferveur. Bien! Oui, c'est vrai que par contre, ça fait tout la pop. J'avoue que je pourrais m'en passer. Laissons-le avancer, comme ça je lui passerai derrière. Je vais mourir avec mes histoires, ça va me prendre un coup. Et c'est par là qu'on pouvait pas monter. Remarquez par là. Aussi par là, pareil. On verra plus tard eux. Ouh. Oh, j'ai été trop. Trois coups, tu peux voir. C'est que deux. Et top. Mais. Il va me tuer. Il va me tuer. On a fait n'importe quoi. Est-ce que je l'esquive? Je fais comme tout à l'heure. Parfait. Voilà, très bien. Pas sûr, parce que là, tout à l'heure, il y en a un qui m'a acheté une pierre. Je sais pas où il était. Ah, il est là. Et si je lâche, ouais, tu glisses et tu re... Ah ouais, tu... Ah mais il a une espèce de gant en fait. Alors qu'avant il plantait son épieu, son queue. Ok, parfait. Si je peux pas toucher les deux. Ici. Oh non! Ah non, ça a déconné. En plus, j'ai plus assez. Ok. Parfait. Je sais pas où on va, mais on y va. Il y a des trucs à récupérer. Ah non, ça c'est... Ah, pourquoi je veux faire X à chaque fois? Quel jeu je suis en train de faire que c'est X? J'en sais rien. Le maillet. Bon, lui, on le shootera. Est-ce qu'on peut rebondir sur les ennemis? Arrête. La réponse est non. Ah oui, bah non, parce que l'attaque vers le bas, c'est ça. Bah oui, je suis con. Donc, attendez, on a débloqué un raccourci. Ouais, ce que je peux faire, c'est aller sauvegarder. On retourne sur la première zone. Écoutez, on va faire cette zone à fond. Le matin qu'on a le wall jump, on doit pouvoir monter en haut du village. Ah mais en haut du village, ouais, si je monte, je sais plus si c'était par là ou par là. Et ça doit nous emmener là-haut. Écoutez, on va finir cette petite zone. On n'est pas sur du Mario. Ah bah non, là c'est autre chose. Hein. Là c'est autre chose. Non mais il y a des Metroidvania où tu peux rebondir avec l'attaque vers le bas. Ok, bah on a bien fait de venir. Ah. Ah. Oh non, les relous. Je les aime pas, ils ont un milliard de points de vie. Oh, il a failli se manger, il a spawn sur nous. Ok. La petite épreuve, les vagues d'ennemis, elles sont pas violentes. Ok, pour l'instant, ça va. Et on a récupéré un réceptacle vide, donc une potion
Il va falloir trouver du sang pour pouvoir la remplir. Et on n'a pas trouvé d'endroit où la remplir pour l'instant. Parce qu'on a sauvegardé, donc tout à respawn. Ça, c'était gratuit. Un peu d'argent facile. Ah, mais on va pas aller vers le bas tout de suite. Ouais. Alors écoute, on va finir d'abord la zone. Parce qu'on peut en faire... Ah bah tiens. Ça sera vite vu. Mirabas du retour... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mirabas du retour... Ah, c'est une... un nouveau champ. Bah très bien. Oh, attendez, on a un nouvel objet de quête. Ah oui, le maillet. Ah oui, faut que je l'amène au sculpteur. Il va peut-être me donner un truc. Oui, oui, oui. Donc on va aller voir le sculpteur avant de prendre le machin. Attendez, on va tester ça. On va le tester. Dès qu'on a un ennemi, on teste. Mais ça téléporte? Attendez, mais c'est trop bien. Et vers la ville, vers le village, hein, j'espère la ville sans nom, là. Ouais. Ah mais c'est trop bien. Attendez, mais ça c'est du bonheur en bas. Ah mais ça c'est du bonheur, ça. Ça c'est du bonheur. Salut Tsuki. Non, ça c'est juste trop bien par contre. Il est là. J'ai sauvegardé, je sais plus. En sauvegardant, du coup, ça sera fait au passage. Ah ça c'est juste trop bien, ça, d'avoir un téléporteur. Ah ouais. Non mais... Pourquoi je suis reparti? Quel abruti. Tu rentres, tu sors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait n'importe quoi. En que os puedo? Tiens, je te donne un outil. Je suis un mec sympa. Donne-moi une autre sculpture. Donne-moi un autre machin, c'était bien ça. Este mazo se siente tan equilibrado a la mano que parece no requerir esfuerzo alguno. Ah ouais, du coup ça mérite une petite récompense, mon gars. Ouais. C'est tout? J'ai juste ta gratitude? Quel enfoiré. Que las manos del milagro. Ouais, bah c'est bien. Ah, il m'a... Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bah il nous fait pas plaisir. Il nous a rien donné. Il m'a pas fait trop plaisir, j'avoue. Du coup, j'ai rééquipé l'autre. Ouais, j'ai rééquipé l'autre. Bah ouais, c'est le seul... Attendez, c'était là. Ouais, c'était là. Son armure a un peu légèrement changé. Oui, oui, mais c'est pas le même. Hein. C'est pas le même pénitent. Donc, forcément, ça change un peu l'armure. Je sais pas, parce que ça se finit, ça continue. Après, les la scène d'intro, c'est le début du... C'est la fin de Blasphemous 1. C'est bien, ça spoil la fin du 1. Si tu l'as pas fini, c'est super bien. Mais c'est après les DLC. Donc non, ça spoil pas. Vous avez acquis Tribu Oubliée. Ben, on a bien fait de descendre. Ok. Quel est donc ce tribu? Il est pas là. Ok. C'est bien. On n'a pas de tribu oubliée. On est bien content. Ouais. Attendez, à moins que ça soit ça. Comment je peux les voir? Collection d'effigies. Non, j'en ai qu'une. Et c'est quoi ce tribu oublié là? J'ai pas de tribu oublié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, on m'a volé d'une tribu oubliée là. On m'a... Enfin, d'un tribu oublié. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais là, on essaye de me gruger. On essaye de me gruger. Ah non, il est là. Une pièce qui fut utilisée pendant des années pour payer les processions qui traversaient les routes de nuit. Les routes la nuit. Ces processions se tarirent par un peu et devint rare de trouver une telle pièce. D'accord. Donc faudra que je trouve à qui l'a donné. C'est un nouveau pénitent du coup. Bah si j'ai bien compris, oui. Hein. Il vient de naître. On est né... Enfin le début du jeu, c'est ça. Tu nais. Profundo la même. Je trouve le jeu plus beau. Pas forcément le pixel art qui est plus fin. Mais je trouve le jeu plus beau, plus travaillé sur les décors. Perso. Et je sais pas, je le trouve plus net, moins flou, moins... Je sais pas, je le trouve plus joli. Les arrière-plans sont bien plus nets, hein, pour le coup. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a rien raté. Alors, tout à droite, on peut y aller. Ou alors, on peut aller en haut. C'est quoi ces machins, déjà? Attendez.
Confesseur. Ouais, le confesseur, j'en ai pas besoin. On va partir d'en haut. Là-haut, je peux pas y aller encore. Hop, allez. Attendez deux secondes, j'ai un petit truc qui m'appelle. Allez, on est reparti. Écoutez, on va continuer un petit peu. Ou alors... non, on va continuer un petit peu. Je vais pas arrêter le premier épisode de Rediff ici. On va continuer... Ah, putain, il y a un chérubin. Je vais pouvoir passer. Alors, je peux pas passer dessous. Ok. Comment je peux faire pour le choper? Peut-être pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Ouais, il va falloir taper dans la cloche, j'imagine. Pour faire un truc. Depuis quelques jours, je discute avec une personne. C'est pas méchante, mais un tas de soucis d'ordre psychologique. Ah bah oui, oui. C'est pas facile. Alors, le retour des pays. Oh, Fireball, ça c'était pas prévu. Et lui, si je lui fais le truc, ça passe. Ça le tue, quoi. Ça le tue vite fait. Ok. Oui, ils sont toujours aussi. Alors, est-ce qu'on va en haut? Allons en haut. Allez, ça changera. Je crois que ça changera. Je les avais pas vus, eux. Je suis concentré sur l'autre. Bah, tiens, vous, vous allez prendre tarif. Merci d'être venu. En bas, il y a une cloche. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre, du coup. Ouais, c'est... Ah ouais, mais non, parce qu'il y a une porte qui nous gêne. Ok, donc il va nous falloir sûrement plein d'objets. Qui pourquoi ne s'est-il pas accroché? On saura jamais. Ouais, mais du coup, attendez, mais là, bah oui, mais si je vais en bas, c'est pas bouger. Là, c'est pareil, c'est pour taper dans la cloche. Donc, pour l'instant, rien de plus. À droite, je peux pas y aller. Bon, ça, ça s'écroule, c'est évident. Attaquer à plusieurs, ça va pas le faire. Arrêtez de me saouler, voilà, merci. Oui, mais... Je peux pas... Je dois pouvoir le toucher en plus. Ah ! Oh, il fait mal, là. Ok, un deuxième chérubin. 2 sur 33. Parfait. Eh bien, écoute, Tsuki, enjoy. Enjoy, un jeu bien joué. Je veux bien joué. T'arrives pour un truc bien joyeux, quoi. Bien jouasse. Ok, mais on l'a eu. Je peux pas prendre l'échelle de dessus. Ok. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté majeure. Putain, les arrière-plans, je trouve que déjà, il y a plus de diversité que dans le premier en peu de temps. J'aime beaucoup plus visuellement, ouais. Il y a plus de niveau, je pense, de profondeur dans les arrière-plans. Peut-être que je me fais des idées, mais... Il me semble. Alors, attendez, parce que là, il y avait quoi? Il y a un sol, là, ou pas? Ouais, il y a un sol. Si je glisse et que je tombe dans le vide. Ouais, Oracle of Ages, et j'adore. Attends, j'ai pas trop aimé Season, même pas du tout. Que j'adore Edgy. Que je trouve bien meilleur. Bah écoutez, on avance gaiement dans cette zone. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas pu faire, mais tant pis. De toute façon, pour l'instant, on peut avancer qu'en ligne droite. Hein. C'est dire, vu le nombre de pouvoirs limités. Ouais, d'en haut. Ouais, mais ça, ça va se... casser, non? Ah oui, mais j'ai pas pu sauter.
Attendez, il doit y avoir un... Ah, ça touche pas, les pics te one-shot plus. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une excellente chose. Ah, oh, j'ai eu peur. Ça, c'est une excellente chose. Bah, du coup, attendez, on va prendre le truc facile. Que de se faire chier à passer par l'autre côté. Alors, est-ce que je vais d'en haut? Ouais, continuons d'en haut. Et on est parti. Ça, ça s'écroule, ça. Bon, revenons sur nos pas. Allons faire des zones qu'on a déjà fouillées. Ah oui, mais... Oh non, mais je fais de la merde. C'est pas après la statue que j'en avais. C'était bien après lui. Et les ennemis sont cool. Hein. Je trouve vraiment... Ah ouais, visuellement, mais vraiment, je prends... Visuellement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment meilleur. J'avais vu du premier jeu où le joueur était puni par les pics. Ah bah si. Ah si si, moi j'avais des très mauvais souvenirs. Ce one shot complet, ça rendait l'exploration vraiment laborieuse, je trouve. Et du coup, c'était pas fun du tout. Attendez, on est venu là? Non, on n'est pas venu. Ok. Comment je fais pour attraper ça? Je peux pas. Ok. Bon écoute, on va continuer par là. Oh bah tiens, il y a un prix dieu, ça c'est cool. Quelle est cette chose à côté du prix dieu? Un raccourci. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Et là. Et là on y est allé. Mais non, du coup on y est pas venu. Et bah non. Et bah non du coup. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver? Des bricoles. Ouais. Il m'a pas l'air très cool lui. Ah je peux pas lui dasher à travers. Ouais. Ah ouais. Moi j'avais prévu de lui dasher à travers, nos amis. Ah, j'ai pas assez de magie. Ah, je dis magie, hein, moi. M'en voulais pas, hein, c'était un vieux monsieur. Pour nous, c'est des barres de magie. Hein. Peu importe le jeu, c'est de la magie. Ok, bon, y a pas de difficulté majeure. Oh, on l'a déchiré. On l'a déchiré. Hop là. Oh. Est-ce que c'est une nouvelle? Ça c'est chiant quand t'arrives dans une ville. Misericordes pasos. Mi máscara de oro llora. Il y avait une histoire de masque d'or aussi dans le premier, il me semble. Os halláis en el jardín de los altos coros. Ok. Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado, nacidos del milagro. Oh incansable tiempo, que viajáis sin demora y borráis el pasado. Evocando inciertos futuros, hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo, que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Offre-nous le souvenir du jour où le miracle nous imposa son sombre châtiment qui nous empêchait de nous élever pour être okay. Penitente. Libérez mes frères qui parlent. Ah, d'accord, faut que les autres. Por designios de un milagro que parece okay, ser d'accord. Nos ya ajeno. Ils sont un petit peu de partout dans le monde. Solo très bien. Ellos os permitirán. Eh ben, on verra. Ayudadnos liberando a más hermanos y así os mostraremos lo que la torre guarda. Oh, c'est ça les trucs qu'on a vu au début. Ah, que maintenant c'est ouvert au tout début. Ah ouais, plus je vais en délivrer et plus je pourrais monter. Donc pour l'instant je peux pas. Bon, c'est la magie, la ferveur, je crois. Ouais, c'est de la ferveur. C'est de la magie. Souviens-moi pas. Commencez pas à me souvenir. C'est de la magie. Point. Voilà. Mais oui, c'est la ferveur, oui, tu as complètement raison. Mais en tant que vieux, c'est de la magie, point. Bon, et bah écoutez, je vais finir un épisode de rediff là-dessus. Je vais aller remplir ma bouteille d'eau parce que quand même, je bois. Et il fait chaud, buvez. H2O, meilleure boisson, comme d'habitude. Donc pour la rediff, on arrête là le premier épisode. Écoutez, on a fait une petite heure. C'était pas mal, j'ai bien aimé. On n'est pas mort souvent, peut-être une fois, je sais plus. Je m'attendais à mourir plein. Et puis finalement non, écoutez, on a exploré quand même pas mal.
pas mal. Ah, c'est la même zone que ça. C'est la suite de ça. Écoutez, on pourra aller là, on peut aller là, on peut aller de partout. De toute façon, on va aller voir cette affaire là. Écoutez, bon, et ben, on se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao, ciao.